Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Quelles sont les injonctions qui règnent dans nos vies et dans notre société Pourquoi on s'y assimile et comment s'en libérer C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast pour vous parler d'injonction. Alors, comment m'est venue l'idée de ce sujet En fait, c'est tout simplement que vous le savez, j'ai un coaching sur trois mois qui s'appelle le Coaching Rise et donc je, je coach des femmes euh, à s'épanouir, etc. Et on a été, au moment où j'enregistre dans ce podcast là, dans une phase en fait où on va aller casser vraiment leurs croyances limitantes et notamment je leur parle d'injonction. Et en fait, quand euh, Enfin, pendant vraiment ce Coaching Rise, et même d'ailleurs quand je parle avec certaines personnes parmi vous, ou quand j'observe vos réactions, euh, j'observe qu'en fait, on a tous en tête des espèces de règles, des espèces de, de phrases, de choses qu'on qu se perçoit d'être vraies, euh, et c'est parfois même d'ailleurs des croyances limitantes, et, et c'est des espèces de règles selon lesquelles on vit, mais vraiment des règles qu'on pense être absolument nécessaire pour vivre et pour faire bien les choses et des, des en fait c'est des espèces de règles de croyances on ne se voit pas vivre sans celles-ci ou du moins sans respecter celles-ci je vais vous expliquer un petit peu plus tard donc en fait moi ce que j'ai observé c'est que c'était des règles euh, qui régissent vraiment nos actes et nos méthodes de pensée donc nos actes c'est-à-dire nos actions qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va pas faire nos méthodes de pensée c'est par exemple la manière dont on va interpréter des situations euh, euh, la manière dont on va euh, créer des émotions, etc. Suite à, euh, à une scène ou à des choses, etc. Donc se défaire de ces espèces de règles, de ces espèces de croyances qui sont finalement limitantes, c'est pas forcément facile. C'est quelque chose qui est même plutôt compliqué parce que déjà la première chose c'est qu'on en a pas forcément conscience et ensuite c'est qu'elles sont là depuis euh, bah vraiment vraiment des années. Donc, le plus difficile, c'est vraiment d'en prendre conscience. De prendre conscience qu'en fait, on suit cette règle. La plupart du temps, on fait les choses un peu comme par automatisme. On a le cerveau qui est un peu en mode pilote automatique. Et on se rend absolument pas compte, finalement, qu'on est en train de suivre ces règles-là qui, quand on y pense, sont un peu absurdes, ou du moins, sont complètement obsolètes, en fait. Elles sont devenues complètement obsolètes et qu'on n'a plus du tout à les suivre. Donc aujourd'hui, moi j'avais envie de vous parler vraiment de ces, de ces injonctions-là. Euh, pourquoi Tout simplement pour vous permettre d'en conscientiser certaines, du moins de prendre conscience que vous suivez certaines règles depuis longtemps qui sont absurdes euh, et je pense que vous, en vous en libérant, vous vivriez mieux et vous seriez peut-être aussi plus épanoui. Donc je vais vous parler justement de ces injonctions, le but étant de vous en libérer. Alors qu'est-ce que c'est déjà que des injonctions C'est des messages des règles, des, des idées qu'on va assimiler progressivement en fait tout au long de notre vie ou au long de notre, de notre enfance. donc en général c'est avant trois ans voire euh, avant sept ans en tout cas c'est toujours entre 0 et 7 ans. Euh, et comment est-ce qu'on assimile ça? En fait c'est tout simplement euh, bah, de par notre éducation, de par notre enfance, de par ce qu'on a vu de nos parents etc etc. Et en fait ces messages qu'on va assimiler progressivement, notamment pendant notre enfance, ça va devenir notre réalité. Ça va devenir notre vérité ça va devenir le monde dans lequel on vit tout simplement. Donc finalement, ces messages qu'on assimile, on finit par se dire que c'est simplement une croyance qu'on doit suivre, une règle à suivre, que ça ne peut pas être autrement, et que c'est ainsi que l'on doit être. Alors le mot doit, j'accentue vraiment euh, ce mot-là. Pourquoi Parce que c'est vraiment ce qui colle avec le côté injonction. C'est qu'en fait, les injonctions, c'est vraiment des choses qu'on pense être tellement vrai qu'on doit faire comme ça et pas autrement. Il y a vraiment cette espèce de notion de, de devoir et même d'obligation, c'est-à-dire qu'une injonction, ça commence toujours par il faut que je fasse ceci, il faut être comme ce, cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc finalement, c'est vraiment des règles et des obligations en fait qu'on va suivre dans notre vie et on, en fait ça devient tellement automatique qu'on finit par ne même plus questionner la source de cette injonction, de cette règle. En fait, on ne se pose même plus la question de qui a décidé ça, en fait, finalement. Est-ce que je suis vraiment obligée de dire ça Quand est-ce que j'ai décidé ça D'où ça vient On ne le questionne même pas, puisque c'est vraiment implémenté à notre esprit depuis qu'on est jeune et on suit vraiment cette règle-là. On est persuadé que c'est comme ça et pas autrement. Parfois même, on en vient même à euh, ne pas voir les autres façons d'agir qui sont possibles. Alors d'où ça vient, c'est ce que je vous disais, donc ça vient euh, entre autres de nos parents, de nos éducateurs, etc. De tout ce qu'ils vont nous répéter. Donc quand on est petit, euh, si nos parents vont constamment nous répéter, ou notre éducateur ou euh, même nos grands-parents ou notre maîtresse, etc., que ce soit entre nos 0 et 7 ans, si on nous répète constamment par exemple, sois fort, dépêche-toi, tais-toi, calme-toi, si c'est des choses qu'on nous répète constamment, ça, c'est vraiment des ordres, comme vous le voyez, et donc c'est des injonctions. Ça devient des injonctions, ça devient des messages qu'on va assimiler progressivement. Un petit qui entend, euh, par exemple, tout le temps euh, « soit fort », s'il entend ça euh, dans des événements euh, qui sont quand même importants pour lui quand il était petit, ou du moins qu'il entend ça de manière répétitive, il va complètement absorber ce message-là, et il va en faire une injonction, il va en créer une règle selon laquelle il va, il va vouloir vivre toute sa vie parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il doit être, et pas autrement. Donc par exemple, si on lui dit euh, constamment « soit fort. Ce qui va être déduit au fur et à mesure pendant son enfance, ça va être, OK, je dois toujours être fort pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc, je ne dois pas faire preuve de vulnérabilité. Je dois constamment porter les choses sur mes épaules et c'est moi qui dois être la force. Donc, cette injonction-là, finalement, a ancré en la personne une croyance selon laquelle elle va vivre toute sa vie. Et du coup, on a des personnes, par exemple, à l'âge adulte, qui, du coup, ont énormément de mal à faire preuve de vulnérabilité, qui sont persuadées qu'ils ne peuvent jamais lâcher prise, jamais compter sur les autres, qui doivent toujours être forts pour tout le monde. D'autres choses, par exemple, comme euh, dépêche-toi. Dépêche-toi, euh, si euh, un enfant, par exemple, ou une personne entend constamment le dépêche-toi, 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 cette personne va finir par en déduire qu'elle est toujours en retard ou même qu'elle est trop lente. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'en gros, elle est persuadée qu'elle est trop lente dans plein de choses. Peut-être que plus tard, en étant adulte, elle va s'interdire certains travaux qu'elle adorerait faire, euh, un certain job parce que elle pense qu'elle est trop lente par rapport à ça. Ou même, ça va même conditionner sa manière d'être. Encore une fois, pareil, si euh, on lui dit tais-toi euh, ou t'es trop bavarde ou tu parles trop ou tais-toi, mais en général, les injonctions c'est toujours des ordres. Il faut que, fais-le. C'est vraiment il y a vraiment la notion euh, d'ordre. On est vraiment sur de l'injonction. Le message est assimilé, le message qui est compris, c'est en fait je ne dois pas m'exprimer, je ne dois pas dire ce que je pense, je ne dois pas faire de bruit, je dois être discret et je dois rester à ma place. Et on a du coup des adultes aussi qui suivent cette injonction-là depuis des années et qui sont persuadés qu'il ne faut pas qu'ils fassent trop de bruit, qu'il faut qu'ils soient discrets et qu'il ne faut pas qu'ils s'expriment, il faut vraiment qu'ils restent à leur place et qu'ils sont trop bruyants et qu'en gros ils n'ont pas leur mot à dire. Donc vous pouvez déjà d'ores enfin, et déjà vraiment réfléchir à ça. Euh... On est tous dans ces cas- là en fait il y a tous des injonctions qu'on qu suit depuis qu'on est petit et qui ont conditionné la manière dont on vit actuellement. Une autre chose par exemple c'est calme- toi euh, quand on entend constamment calme- toi calme-toi, calme-toi calme- toi, calme -toi, calme -toi quand on est petit, ça peut être peut-être parce que l'enfant est assez actif etc. Euh, le message clairement qui va être assimilé au, au fur et à mesure ça va être par exemple je suis trop agité, je dois rester à ma place, je dois pas exister en fait. et le message qui est assimilé, c'est vraiment ça et c'est encore des choses dont on est persuadé quand on est adulte. Donc déjà, là, réfléchissez un petit peu à ça. Réfléchissez aussi, pourquoi pas, aux messages que vous avez entendus euh, de manière assez répétitive ou dans des événements qui étaient marquants quand vous étiez petit. Ensuite, les autres types d'injonctions qui peuvent exister, ou du moins d'où elles vont provenir, c'est aussi, par exemple, les messages euh, qu'on va interpréter face à des situations et dont on se persuade quand on est petit. Donc, par exemple, on expérimente quelque chose quand on est petit et on interprète... La signification de cette chose-là, on se persuade de cette signification-là, et on crée nous-mêmes une injonction qui va ensuite régir notre comportement tout le reste de notre vie. Par exemple, euh, un enfant qui a une maman quand elle est, quand elle est, voilà, une maman quand il est petit, euh, qui, euh, qui a beaucoup beaucoup de migraines, qui a tout le temps mal à la tête, qui est assez fatigué, peut-être que sa maman a connu un burn-out sur euh, une longue période, etc. Donc l'enfant qui entend constamment, maman a mal à la tête quand tu fais du bruit. Maman va mal quand tu fais du bruit. Maman va pas bien. L'interprétation que le petit peut faire, par exemple, ça peut être, quand tu fais du bruit, tu rends malheureux les autres. Quand tu fais du bruit, tu causes du tort aux autres. Quand tu fais du bruit, tu, euh, tu fais du mal, tu blesses, etc. Et les gens sont, ne sont pas bien, tu causes du tort en fait. Donc qu est que, quel est le message vraiment qui, qui va être assimilé Quelle est l'injonction qui va être créée à ce moment-là Ça va être, bah, par exemple, tais-toi. Fais pas de bruit. Sois silencieux. Reste discret. Donc l'injonction, c'est vraiment créé, non pas parce qu'on lui a dit tais-toi, mais parce qu'il a interprété une phrase que lui a dit sa maman à répétition, et il s'est créé lui-même une injonction. Autre chose, par exemple, les injonctions qu'on peut se créer aussi, par exemple, suite à des situations qu'on interprète, c'est notamment quand il y a des choses qu'on ne fait pas bien, dans des situations où on a l'impression que ce n'était pas assez bien ce qu'on a fait, l'injonction qu'on peut créer, c'est soit parfait. Et du coup, toute notre vie, ce soit parfait, cette injonction de soi parfait, va nous suivre. D'ailleurs, ça fait même référence à euh, un peu au syndrome de l'imposteur, je vous invite à aller écouter mon podcast sur le syndrome de l'imposteur là-dessus justement. Quand on vit avec cette injonction de soi parfait, en fait on a constamment l'impression qu'on n'est jamais assez bien euh, pour rien du tout. On a aussi l'impression que du coup il vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose parce que dans tous les cas ça ne sera pas parfait. On a la sensation qu'on n'est jamais assez bien pour rien du tout et que, de manière générale, si on n'est pas parfait, on n'est pas méritant. Et ça, c'est vraiment des injonctions, encore une fois, qu'on se crée en étant plus jeune. Pareil pour euh, une injonction qu'on va, euh, qu va se créer euh, face à une situation. Ça pourrait être, par exemple, « Fais plaisir ». Donc, « S'il te plaît, fais plaisir à maman, va faire ça. »« S'il te plaît, fais plaisir à machin, fais ceci ou quoi que ce soit. » L'injonction qui se crée, c'est le « Fais plaisir, tu es fait pour faire plaisir, tu dois faire plaisir. »« Il faut que je fasse plaisir. » Et du coup, on, on est en train de créer un personnage qu'en anglais on appelle un pleaser, euh, qui est une personne qui va justement constamment faire plaisir à tout le monde, qui va vouloir faire plaisir à tout le monde, qui va être vraiment dans la position de serviteur. Donc c'est aussi pour ça que souvent on retrouve des adultes qui se placent dans une position de serviteur, de sacrifice, qui vont se sacrifier, etc. Quelqu'un, quand entend tout le temps fait plaisir, va se dire Ok, il faut que je serve. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre type d'injonction. Après, de manière générale, je trouve que notre société aussi nous euh, comporte, on va dire, beaucoup d'injonctions, nous donne beaucoup, beaucoup d'injonctions, et notamment des choses qu'on entend depuis qu'on est tout petit. Il y a des choses qui sont très connues dans notre société et qui sont des vraies injonctions selon lesquelles on pense qu'il qu faut vivre, en fait, et que ça, ça doit être comme ça euh, et pas autrement. Et ces injonctions-là arrivent sous forme de règles, on ne sait pas d'où ça sort, vraiment, c'est vraiment ça. Ça arrive sous forme de règles, il faut que... On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas qui a, qui a dit ça, mais on y croit, parce que c'est quelque chose qui se répète de génération en génération. Et puis ça arrive aussi sous forme de métaphore. Donc ça, je vous l'expliquerai. Les métaphores, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant euh, et qui fait passer un message carrément directement au subconscient. Donc le conscient, en fait, ne le questionne même pas. Et le subconscient l'assimile et l'assimile et l'assimile et l'assimile et, et va simplement suivre ces ordres-là. Le, le conscient ne questionne pas ça. Le subconscient l'assimile et du coup, vous suivez les ordres de, euh, de cette injonction-là. Le subconscient adore suivre des ordres. Ça serait typiquement, il faut souffrir pour être belle. Alors ça, je crois qu'on l'a vraiment mais tout entendu un jour ou l'autre. Moi, je me rappelle encore de ma grand-mère qui m'a répété ça quand elle, me, quand elle me coiffait les cheveux et que ça me tirait les cheveux. Et puis, je l'ai entendu partout. Mais d'où ça sort en fait enfin, Cette injonction qui est fausse quand on se questionne en réalité, c'est bullshit. On n'a pas besoin de souffrir pour être belle. Euh, en plus, c'est vraiment quelque chose qui s'applique uniquement à la gente féminine. Enfin, moi, ça me, ça me choque en, encore d'entendre ça, et pourtant, c'est une injonction qu'on entend partout. Il faut souffrir pour être belle. Donc, le "il faut" c'est vraiment une injonction. Et au final, on ne se questionne même pas. Et quand on souffre euh, par rapport à quelque chose qui, euh, qui nous pensons que ça nous rend jolie, par exemple, je pense à un truc tout bête là qui me vient une épilation. Admettons, euh, quand on a mal pendant une épilation. Alors, je dis pas que les personnes qui sont épilées sont plus belles que les femmes qui sont non épilées. Je trouve que, enfin. C'est pas du tout un standard de beauté, mais voilà, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. C'est euh, t'as mal, ouais bah ouais, mais bon, faut, faut souffrir pour être belle. Mais c'est quoi cette excuse C'est quoi cette excuse C'est quoi ce, cette injonction euh, Et qui est pourtant, enfin que pourtant tout le monde connaît et que beaucoup continuent à suivre. Euh, pareil pour euh, il faut choisir. Ah bah non, mais il faut choisir à un moment donné. Mais qui a décidé qu'il fallait choisir moi, je suis partisane du fait qu'on n'a pas à faire ça ou ça, et que la plupart du temps, on peut faire ça et ça, simplement pas en même temps. Et c'est quelque chose que je répète très souvent pour plein de choses dans le business ou quoi que ce soit. C'est arrêter des fois d'avoir de, à choisir. Tout le monde nous dit qu'il faut choisir, mais d'où ça sort, parfois, on peut faire les deux, simplement pas en même temps, en fait. Alors, il y a des situations dans lesquelles c'est bien de choisir, mais il faut choisir, non, on est les seules personnes à pouvoir décider de ça. Et pourtant, cette injonction, on vit encore vraiment selon ça. Et d'ailleurs, ça en est suivi des métaphores, changer d'avis comme de chemise, ça c'est une métaphore euh, qui nous fait bien comprendre qu'il euh, ne faut pas changer d'avis, c'est encore une fois une injonction. Autre métaphore euh, qui existe et qui est finalement quelque part une injonction aussi, c'est bah, l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Autrement dit, cette métaphore, elle nous fait comprendre, il faut travailler pour gagner de l'argent. Tu vas pas attendre, il faut faire quelque chose pour gagner de l'argent. Autre métaphore aussi qui peut exister, alors on n'est pas vraiment sur une métaphore, mais ça serait par exemple... Euh, L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ou encore la gourmandise est un vilain défaut. Tout ça, c'est des injonctions qui nous disent comment on doit être ou comment on ne doit pas être. Donc ça, moi, je trouve que c'est des injonctions euh, qu'on suit encore sans finalement les questionner, alors que finalement on peut les questionner. Et je pense qu'on est vraiment de plus en plus nombreux à les questionner. Mais quand on, on, on y réfléchit, on vit tout selon ces injonctions-là. Et vraiment, par exemple, celui qui est très flagrant, c'est vraiment le changer d'avis comme de chemise, être une vraie girouette. Euh cette injonction nous fait comprendre tout le temps que c'est mal de changer d'avis et on vit selon ça et on se dit non mais attends ça craint je peux pas changer d'avis etc etc mais si c'est faux c'est faux <laughs> donc les métaphores c'est vraiment quelque chose qu'on observe de partout dans notre société notamment on en retrouve par exemple beaucoup dans des dessins animés dans des films etc euh, on les retrouve alors je pourrais en faire un podcast entier là-dessus parce que dans par exemple les dessins animés les films etc c'est pas forcément des injonctions c'est pas des ordres des règles selon lesquelles suivre c'est plutôt que ça fait vraiment passer des messages qui marque et qui impacte l'esprit, même si on ne le comprend pas directement. Et tous les messages qui sont faits passer par des métaphores sont directement assimilés, ancrés dans notre subconscient, et du coup, ça arrive également dans notre dialogue intérieur et ensuite du coup ça devient aussi notre réalité. Moi je sais que par exemple pour aider mes personnes coachées en chez Rise ou même dans la Bloom Academy, si jamais vous écoutez ce podcast et que vous avez décidé de rejoindre la Bloom Academy, donc l'Académie de Dev Perso liée au podcast, euh, vous me verrez pendant les lives régulièrement faire des métaphores, utiliser des métaphores pour que le message soit plus marquant, plus impactant, et justement parvienne à votre subconscience sans forcément trop le questionner. Mais ce n'est pas du tout des injonctions pour le coup. Donc voilà, donc les métaphores ne sont pas toutes des injonctions. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc comment on fait finalement pour se débarrasser de ces injonctions ben, le premier pas, il y a encore une fois rien de vraiment sorti, c'est tout simplement d'en avoir conscience. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience en fait qu'on suit ces, injon ces injonctions là, qu'on suit ces règles là, qu'on vit selon ces règles là, on en a conscience et on se dit en fait, ok, là, je suis en train de suivre cette règle là. Ben attends en fait, euh, pourquoi Et on commence à se questionner dessus. Et en fait, se questionner dessus, c'est déjà juste ça qui fait qu'on peut déjà changer ces injonctions-là et ou les faire évoluer. Donc juste en avoir conscience et commencer à se questionner dessus, à les remettre en question. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire justement pour aller euh, bannir, entre guillemets, ces injonctions Je pense par exemple à soit fort, soit parfait, tout ça. On va aller modifier notre dialogue intérieur. Donc, quand l'injonction selon laquelle on vit est par exemple soit fort, euh, soit euh, parfait, soit calme, tais-toi, ou même euh, il faut souffrir pour être belle on va aller modifier notre dialogue intérieur en se disant attends donc on va le questionner attends est-ce que je peux pas être belle même si je souffre pas est-ce que ça c'est tout le temps vrai qu'il faut souffrir pour être belle est-ce que plus tu souffres plus tu es belle donc finalement on remet vraiment en question cette injonction et en fait on se rend compte que non c'est bullshit encore une fois je peux être belle sans souffrir et je peux apprendre à être belle juste pour plaisir et avec plaisir. Notamment, quand je prends du plaisir, c'est quelque chose qui me rend encore plus belle. Moi, je me suis toujours persuadée, et vraiment, j'y je, je, crois dur comme faire, qu'une femme, plus elle prend du plaisir, plus elle est heureuse, plus elle est belle. Euh, une femme qui est de plus en plus épanouie, elle rayonne, elle est magnifique. Une femme qui est en train de prendre du plaisir, même au lit, avec le sexe, etc., elle est magnifique, elle rayonne. C'est pour, pour tout comme ça dans la vie, donc. C'est complètement contradictoire avec cette injonction, il faut souffrir pour être belle. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai vraiment, euh, vraiment remodifié mon dialogue intérieur. Donc, vraiment en questionnant. Autre exemple que je peux vous donner, par exemple, quand on va modifier notre dialogue intérieur, ça va être pour le soi-parfait. Donc, on va de nouveau se questionner. On comprend du coup qu'en fait, quand on se dit soi-parfait, dans notre dialogue intérieur, qu'est-ce qu'on se dit On se raconte en fait que si je ne suis pas parfait, je ne suis pas assez bien. Et vu que être parfait, c'est pas possible. Je ne suis jamais assez bien, donc finalement, je ne suis à la hauteur de rien. Donc là, encore une fois, on va se re-questionner, on va se dire, attends, mais en fait, c'est quoi être parfait? Qui a décrit, qui a défini la perfection dans ce domaine-là? Selon qui et selon quelles règles? Et qui a dit ça? Est-ce que si c'est pas parfait, ça mérite pas d'être fait quand même? Et est-ce que je n'aime que ce qui est parfait? Est-ce que je n'aime que les gens parfaits? Et finalement, non, je le sais très bien que non. Quelles sont les imperfections que j'aime chez les autres ou dans les choses Quelles sont les imperfections que j'aime Et quelles sont même les imperfections chez moi que j'aime Donc, encore une fois, voilà, c'est vraiment de la remise en question et euh, se poser les bonnes questions. Une fois qu'on a fait ça, on va aller ensuite créer une nouvelle injonction, donc une nouvelle règle euh, selon laquelle on veut vivre et qui nous fait du bien. Une nouvelle règle vraiment qui peut nous apporter un maximum d'épanouissement et qui va vraiment nous mener vers nos objectifs. Donc, par exemple, pour le soi parfait, on a remis en question le fait que voilà c'était bullshit et que euh, j'avais pas besoin d'être parfait et que finalement la perfection, enfin ça n'existe pas et que qui a raconté que c'était parfait. Donc nous, ce qu'on va aller chercher comme injonction à créer, ça va être plutôt Sois toi-même. Non, en fait, je n'ai pas à être parfait selon qui, selon quoi. Moi, ce que je dois être, c'est être moi-même. Donc à chaque moment dans mon dialogue intérieur, au moment où je me dis au début sois parfait, non, stop, c'est pas ça. Mon nouveau dialogue intérieur, c'est non, sois toi-même. Le il faut souffrir pour être belle, on peut le remplacer, je suis belle à ma manière en étant moi. Le plaisir me rend belle. Ça c'est une nouvelle injonction aussi. Le soit fort, à la place on peut mettre plutôt soit vulnérable et soit authentique ou même lâche prise. Pareil pour le il faut choisir. Non, on peut mettre je peux faire les deux, simplement pas en même temps. Donc ce n'est pas ça ou ça. Mais on peut faire ça et ça, comme je vous disais tout à l'heure. Donc une fois qu'on a créé vraiment ces, ces nouvelles injonctions, on a vraiment modifié notre dialogue intérieur, et c'est aussi comme ça qu'on parvient à se libérer de certaines injonctions. Alors il y a des injonctions qui sont très 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 profondes. Euh, là on en vient même à des croyances racines extrêmes. Donc c'est pas euh, simplement parfois en se posant des questions qu'on peut complètement les faire disparaître. Il faut aussi se prouver avec le temps et avec des expériences qu'elles sont fausses. Chose qu'on apprend justement à faire dans les coachings. Mais en tout cas pour ces injonctions là. Vraiment, si vous voulez tout simplement les défaire, il faut juste en prendre conscience pour le moment. Donc l'exercice, moi, que j'ai envie de vous donner par rapport à ce podcast-là, c'est tout d'abord, donc avec papier, stylo, etc. Et bientôt vous aurez peut-être le Bloom Note de la Bloom Academy. On va sortir un joli carnet de notes spécialement pour vos podcasts, qui arrive très bientôt. Je vous, je vous montrerai ça. Donc restez bien attentifs justement aux liens qui sont dans la description du podcast, sur mes réseaux sociaux et dans la Bloom Academy. On vous mettra les liens. On a créé vraiment un un carnet de notes qui est complètement conçu pour faire des exercices sur les podcasts, mais plus que ça, vous avez des rituels de pleine lune, de nouvelle lune, des affirmations, de la gratitude. Enfin, il est dingue, il est trop bien, et il arrive très bientôt. On est juste en train de tout faire imprimer, etc. Ça a mis un peu de temps parce que justement, voilà, c'est du fait en France, papier recyclé, etc. Donc, donc bref, voilà. Je referme la parenthèse. Donc, dans ce petit carnet ou dans un autre carnet, peu importe, la première chose à faire, la première partie de l'exercice, ça va vraiment être d'aller identifier. Les injonctions que vous vous répétez. Donc, comment est-ce qu'on fait ça On va aller étudier dans notre langage intérieur, ou même dans une journée ou sur une semaine, toutes les choses qu'on se répète et qu'on formule en général par il faut que, ou alors euh, qui sonne comme un ordre. Par exemple, je dois, ou il faut, ou on doit, ou c'est comme ça et pas autrement. Donc, quand on se dit ça, on doit, il faut que, je dois, c'est vraiment euh, bah, une injonction en fait, puisque c'est une règle qu'on suit et qu'on ne remet pas forcément en question. Ensuite, la deuxième partie de l'exercice, ça va être justement de les défaire en se posant les bonnes questions. Suite à ces injonctions que vous vous posez, posez-vous des questions. Qui a dit ça Est-ce que ça, c'est vrai Comment c'est défini Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que moi, j'aime que des gens comme ça Est-ce qu'il y a que ça Est-ce que je connais des exemples contraires Et enfin, la dernière partie de l'exercice, moi, ce que je vous conseille, c'est justement d'aller choisir un message différent que vous allez intégrer à votre langage intérieur, donc à votre dialogue intérieur. Et ça, c'est à vous de voir, mais il faut que ce soit un message qui vous pousse vers des bonnes choses, qui vous pousse à être de plus en plus vous-même, de plus en plus authentique et à vous aimer de plus en plus, encore une fois, l'objectif étant d'être épanoui et non pas de faire plaisir aux autres ou de correspondre à tel ou tel critère. Voilà. Donc voilà pour ce podcast sur les injonctions de notre société. J'espère que ça vous a plu, que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider, parce que je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à, avoir, à vivre avec des injonctions comme ça. C'est tout à fait normal et ça a été mon cas aussi et, et pour certaines choses, ça l'est encore. Donc euh, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas encore une fois que si vous avez envie d'aller vraiment pousser ces exercices-là et de travailler encore plus sur votre développement personnel, il vous suffit tout simplement de rejoindre la Bloom Academy. C'est à tout petit prix, c'est un abonnement mensuel sans engagement et chaque mois, vous avez des exercices très poussés de développement développement personnel. Et euh, vous avez des lives d'Élise des qui est la Mindset Coach, des lives de ma part aussi sur des sujets qui sont totalement inédits, des bonus, des cadeaux parce qu'on fait des concours, on vous fait gagner des cadeaux qui sont liés à votre développement personnel, etc. Bref, pour toutes les personnes qui en font déjà partie, merci aussi pour votre confiance. Merci à tous de m'avoir écouté Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Ciao